Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, l'objectif suivant sera, je pense, je suis même pas certain en fait. Je crois qu'en fait, on a fait la course là, il y en a une ici. Allons-y. Faites demi-tour dès que possible. Il n'y a aucun problème, je vais monter juste un petit peu là-haut. Dommage qu'on ne peut pas embarquer la voiture avec nous, ça À aurait été vraiment 200 sympa mètres, ça. prenez le virage serré à gauche. Donc là, ça va être hyper serré, c'est ça que tu veux dire carrément. Faites complètement un demi-tour, ça aurait été beaucoup plus judicieux de faire ça. À Donc là, on va 400 se rendre mètres, tournez à droite. directement sur la zone là-bas en question, d'accord? Tournez à droite. Oui, t'inquiète pas, je vais tourner à droite. Ne t'inquiète pas pour ça. Je pense que je peux même aller. Non, j'allais dire, je peux aller tout droit, mais c'est pas nécessaire. À 400 mètres, tournez à gauche. D'accord, on va tourner à gauche dans pas longtemps. Et si je coupe directement par le terrain, est-ce que je risque pas de tomber dans un ravin? Allez, soyons fous. Tournez à gauche. C'est juste là ce qui paraît. Je te jure, c'est du n'importe quoi. À Si je 400 trouve la mètres, voiture à tournez côté, à droite. je la saisis l'occasion. Si je la trouve pas, je me prends même pas la tête, hein. Parce que je sais que les voitures collector, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Je veux pas avoir les meilleures récompenses de dingue, hein. À droite. Ça, je me prends vraiment plus trop la tête. Ouais, mais ta voiture, au moins, elle se retourne la tête. Oh, il a pas pété l'arbre. Oh là là, j'y crois pas, il a même pas pété. Je crois pas que je peux y aller là. C'est trop raide pour la voiture, je te jure, hein. Ah, ça fait vraiment paniquer. Allez, hop, tu t'en vas. Après, ce qui va être bien, c'est que dès qu'on aura un peu plus de points, à mon avis, vous allez vraiment, vraiment pleurer de rire tout ce qu'on va avoir comme expérience, comme XP, etc., etc. Ça me fait vraiment marrer. Par contre, je mets une petite précision parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours des personnes qui comprennent pas. Un jeu vidéo doit rester un jeu vidéo. Peu importe des fois si ça m'arrive à chaud de dire des choses, par exemple, ouais, telle voiture, je l'apprécie pas parce que ouais, je la trouve comme ça, c'est mon choix, faut le respecter. Moi, je respecte votre choix aussi parce qu'il y a des voitures sur lesquelles vous êtes plus à l'aise et d'autres un peu moins, ce qui est logique. Donc, on a tous envie de savoir le jeu comme nous on a envie personnellement. Et des fois, ça me fait rigoler de voir des commentaires mais complètement perchés ou déconnectés de la réalité, quoi. Ça fait peur en fait, hein. Mais pourquoi je peux pas appuyer? Attends. Et c'est dingue, hein. Tant que ça n'a pas disparu, je pouvais pas appuyer. Oui, parce que ça fait vraiment peur de voir des gens totalement, vraiment frustrés dans les jeux vidéo. Et il y en a de plus en plus. Je sais pas ce qui vous arrive, si ça À y est, on 200 a dit mètres, le tournez modèle à d'une gauche. voiture qu'on maîtrise pas forcément tout de suite, que ça y est, vous acharnez dessus. Non, mais à quel point vous êtes Restez à pathétique gauche. parfois. Ça fait peur en fait de voir que cette société elle est complètement malade par rapport à des tout petits trucs, quoi. Les gens sont capables de te faire la guerre, quoi. Qu'est-ce que je m'en fous que t'as par exemple confondu, je sais pas, une Mercedes avec une Mercedes classe S, classe E, classe Y, classe. Mais qu'est-ce que je m'en batte les couilles, sincèrement? C'est pitoyable de se prendre la tête autant sur des détails à la con, sincèrement. Mais bon, bref, maintenant, tu sais, hein. Comme je dis, YouTube, heureusement que j'ai compris que je me prends plus trop la tête avec cette plateforme parce que sinon, tu t'arraches complètement les cheveux avec tous ces gens bah, qui sont jamais satisfaits, qui sont jamais contents. Tu peux leur proposer des trucs de dingue, mais ils en ont rien à foutre. Ils veulent toujours, on va dire, que tout soit à leur sauce. Donc, ce cas-là, je me dis, ils ont qu'à tout simplement s'acheter le jeu et de jouer À tranquillement de 400 leur côté mètres, que d'aller tournez sur à YouTube gauche. ou embêter les gens, en fait, tout simplement. Moi, maintenant, je fais des jeux vidéo, c'est pour tout simplement divertir mon public et pour ceux qui n'ont pas la Tournez à possibilité, par gauche. exemple, d'avoir les exclusivités. Moi, j'ai envie de les régaler, j'ai envie de me faire plaisir avec eux. Donc, j'ai envie de savourer un petit peu le temps, quoi. Après, je néglige pas les détails. J'entends plein de choses à propos d'une vieille grange qui renfermerait une Oui, voiture de garde-la ta collection. grange, je suis pas Jack Je devrais aller Sparrow la là. voir. La voiture, pas la grange. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une... Ah non, laisse tomber. Ouais, t'as tout compris. Donc, oui, je disais, attends, on va jouer au loto. Non, en fait, chacun après est libre de kiffer son propre style de jeu. Par exemple, il y en a qui vont préférer plus des voitures sportives, il y en a qui vont préférer plus ce genre de voiture. Il y a tellement de voitures que c'est vraiment fait pour tout le monde, hein. C'est aussi simple que ça. Après, Vous avez atteint votre s'il y a des destination. personnes qui n'arrivent pas à le comprendre, je suis juste en train de rigoler, quoi. Je me dis, putain, évoluez dans votre vie, sinon vous allez vous faire du mal, hein. Tiens, on va prendre maintenant le grand 4x4. Hein. Tiens, on l'a jamais expérimenté celui-là.
Voilà, commençons la course avec ce premier véhicule qu'on n'a jamais pu tester. Non, je vous dis franchement, ce qui est dommage sur YouTube, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui respectent le choix de la personne. Si la personne a envie de jouer de cette façon, bah, c'est son choix. S'il trouve que ça lui convient, bah, faut respecter aussi, hein. Donc c'est ça aussi qu'il faut se mettre dans à la place de la personne, que toujours penser à sa propre place. Pour essayer de comprendre que la personne fait plaisir aussi à des personnes qui ont tout simplement envie de découvrir le jeu en mode détente, qui sont pas envie de découvrir un truc super poussé. Parce que sincèrement, je veux le mettre par exemple en difficulté extrêmement légendaire, je vais tout simplement aussi peut-être jouer bien ou peut-être pas bien, on va tout simplement me dire ah, mais c'est encore trop facile. Et oui, mais après je fais quoi moi dans ce cas-là? Je vais voir directement je sais pas moi le créateur pour qu'il met les niveaux extrêmement élevés ou je sais pas. Moi, je prends du plaisir et j'ai envie de aussi procurer ce plaisir-là à des abonnés. Parce que je connais le public de YouTube. Si je le mets en légendaire, admettons par exemple les difficultés, ce qui va se passer tout simplement, c'est que je vais recommencer une fois, deux fois, trois fois et ça y est, on va me dire tu sais pas jouer. C'est comme ça que vous êtes, hein, malheureusement. Ça reste, il y en a beaucoup, hein, qui sont quand même des gamins, hein, des gros gamins sur cette plateforme, malheureusement. Heureusement que j'ai quand même un public aussi qui est très mature et c'est ça qui me motive, parce que franchement c'est pas cette aventure là qui donne envie de continuer. Dès que tu vois tous ces personnes là qui sont de plus en plus frustrées avec les années, ça fait 5 ans que je suis dessus, j'ai vu que ça s'est complètement dégringolé, hein, YouTube aussi, hein. Avant c'était plus convivial, les gens étaient plus ouverts, il y avait un peu plus de ouais c'est cool, j'ai pas ce jeu là, j'ai pas la possibilité de l'avoir, je vais regarder la série. Et du coup c'était plaisant en fait de leur faire plaisir. Maintenant c'est tout de suite, je sais pas ce qui se passe, c'est un acharnement perpétuel et du coup ça un peu pourri la plateforme, hein, de plus en plus. Après t'as aussi cette génération de faux machins là de... Bon, attends, je vais essayer de le dépasser. Ouais, t'as cette génération de faux youtubeurs là qui font que du copier-coller sur des trucs qui marchent. Par exemple, ils se forcent à rigoler tous les deux secondes dans la vidéo. Non mais ça va, tu vois, au bout d'un moment, je peux pas non plus... Je sais pas. C'est pas mon monde en fait, hein. Ça m'intéresse même pas en fait tout ça. C'est pour ça que je joue en fait en mode détente. Putain la poisse. On va se calmer un peu là. À cause de cette connerie là, je me suis fait bien avoir à cause de ce saut. Vive les boss. Non mais vas-y, sérieux, si c'est pour galérer comme ça, je vais devenir fou. Voilà, je suis ici et maintenant faut que je rebondisse là-bas. Là, j'ai un peu utilisé beaucoup leur bobinage, le truc que je fais jamais. Non mais voilà, l'objectif c'est de se détendre parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir toutes les consoles du monde, parce que bien évidemment, il faut avoir une console par là, un truc par là pour avoir toutes les exclusivités. Le jeu, moi, il m'a coûté 90€ de ma poche, hein. Je l'ai pas reçu gratuit, hein. Donc du coup j'ai envie d'en profiter comme j'ai envie, hein. J'ai pas trop envie de me justifier à chaque vidéo, parce que j'ai point de pourrir justement les vidéos des abonnés en fait. Eux ils prennent du plaisir, la grande majorité, et du coup je les fais profiter. C'est aussi simple que ça. Après ça convient pas, la personne elle a qu'à passer sur une chaîne différente, y a aucun problème. Là-dessus, il y en a tellement des chaînes qui font du Forza que voilà, vous avez l'embarras du choix. Les mecs, s'ils prononcent bien les véhicules, tant mieux pour eux. Moi, je m'en fous complètement. Si j'ai envie de l'appeler, par exemple, le Pondator, je l'appelle le Pondator. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire, le reste, ça m'est égal. Hein. Je sais pas, ça fait trop rire. Attends. Bref, concentre-nous sur le jeu. Maintenant, je vais juste faire quoi? Attends, je suis où exactement? J'ai même pas prêté attention tellement que j'étais en train de parler tous les deux secondes, là. Je suis vers où, moi? Je suis vers le point. Ok. Donc l'exhibition, le championnat, je peux toujours pas le faire. Il manque une course quelque part qu'on n'a pas accomplie. Je retourne au garage. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Je vais retourner au garage, excuse-moi, j'ai un bulldozer, tu ne passeras pas. Donc le véhicule noir comme ça, il est un peu spécial, hein. Faudrait... que je lui remette d'autres peintures. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire plaisir pour une bonne partie d'entre vous. On va passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Sortie.
on est... 400 mètres, déportez-vous sur la droite. On n'est pas loin du festival, on s'en rapproche. Donc les points, il y en a plus en plus. Restez qui... attends, ça a déjà été fait. Mètres, déportez-vous sur la droite. Restez à droite. À 400 mètres, déportez-vous sur la droite. Oui, t'inquiète, j'ai compris, Anna, il n'y a pas de problème. C'est bien reçu. Je veux justement voir si on peut acheter des nouveaux véhicules. Restez à droite. Vous avez atteint votre destination. Comme ça, je vais jeter un coup d'œil si on peut juste acheter des nouveaux véhicules. Normalement, oui, hein, c'est là qu'on fait tous les courses, etc. etc. Quatre scènes, 50 groupes par jour, de la musique en live du matin au soir. Tu t'y connais en pilotage, mais je m'y connais en fiesta. Ah, on vient de passer au niveau 4. Même pas. Voilà, donc là on a la possibilité d'avoir des nouveaux véhicules en promo. Donc à vous de choisir. Ah ouais, là c'est du lourd là. Je vais essayer de prendre celle-là qu'on a eu tout à l'heure. Je crois que c'était celle-là. Ouais, c'était celle-là. J'ai pas assez. J'ai pas assez d'argent. Même si c'est en promo, je te jure, j'ai pas de thunes. Oh, j'ai pas d'argent. Ah, c'est pas la plus puissante, hein. Hein, quand même, hein. Il y en a encore. Ah, tu te fous de ma gueule, elle est plus puissante celle-là. Ouais, mais la meilleure tenue de route. Mais celle-là, elle est plus puissante en S1. Oh là là, ça veut dire que si je l'améliore. Je peux encore pousser le truc un peu plus. Ah, pas mal. Alors, je vais acheter une voiture entre tout ça. Donc, l'Audi, on l'a. Donc, on va pas se cacher, c'est qu'elle est très puissante. Donc, je vais prendre l'Audi. C'est quoi, on va concourir un peu avec. Ouais, on va quand même prendre l'Audi cette fois-ci. Donc là, j'ai l'Audi classique. La Alligator. Donc, je regarde un petit peu les possibilités qu'on a. Normalement, c'est la voiture la plus customisée, j'ai l'impression. Donc, je regarde un petit peu ce qu'il y a hein, comme peinture. D'accord. Là, le mec, j'ai l'impression qu'il s'est mis son logo. D'accord, il a fait quasiment la même. On va prendre la Dark. Elle me plaît bien celle-là, ça change un petit peu, j'aime bien ce genre de peinture. Et vous? On va changer de caméra. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Et là en promo, du coup, faudra que je la paye. Hein. Elle est pas gratuite, hein. Elle est pas gratuite, maudite ta voiture. Ah, les salopards. Bon, on l'achète. Oui, c'est pour les prochaines courses. Donc du coup, on a quand même besoin d'acheter ce véhicule. Hein. Ah là 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 là, trop magnifique cette voiture. Je crois que le garage il va être vraiment bien rempli. Elle est trop belle cette voiture. Mais cette fois-ci je vais l'améliorer aussi celle-là. Tiens, on va juste voir un petit truc, le capot, pour faire plaisir à certains. Donc voilà le moteur derrière. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Pas mal du tout ça. Là, on peut changer aussi les phares ou pas? On peut tout changer. Ok. Donc, amélioration. Amélioration auto. Franchement, je les laisse. Hein, parce que... Donc là, elle est en quoi? Elle est en S1. On va l'augmenter un peu. Ça va me coûter 60 000. Tu vas avoir minimum 60 000. T'as des trucs qui sont tellement en 18. Ok, il en aura un peu plus de vitesse. Tu me diras qu'on aura gagné légèrement. Ça, c'est des voitures que je veux justement utiliser souvent, donc c'est pour ça que je préfère les custom direct. Oui, hein, ça m'arrive de custom des voitures. Hein. Salle des ventes. Et si tu peux trouver des voitures anciennes, rares, personnalisées et des peintures étonnantes. Tu croiseras aussi de gros vendeurs et acheteurs. Cherche bien, tu trouveras ton bonheur. Bon, meilleure offre. Attends, on va voir. Hein. Oh, pas mal du tout ça. Ça, c'est pas mal ça. Ils la vont combien? Ah, démarre les enchères, achat immédiat. C'est pas mal ça. Tu enchéris. Attends, t'en restons bientôt terminé. Allez, oh putain, il vient déjà de terminer. Attends, j'ai vite fait. C'est dommage qu'il n'y a pas un temps qui est marqué. Ah, les mecs, ils doivent passer leur vie dedans. BMW. Attends, je vais vite fait mettre en enchère. C'est quoi ça?
Enchérir. Ah, vas-y, si ça déconne comme ça, c'est pas la peine, hein. Allez, enchéris. Ouais, donc tu peux pas, c'est pas encore fiable le truc. Ah, dommage. En tout cas, ça nous a permis de voir ça. Là, je peux faire quoi? Démarrer une vente. Par exemple, je suis sûr que je peux vendre mes voitures. C'est bien, hein. J'en ai des caisses, putain, la vache. Ah, je l'ai en fait cette caisse. Non, c'est pas la même. Alors, la vitesse, c'est les 2-10. Ça reste quand même. Ah, elle est ton 1 en fait, c'est là. Ok. Donc, ouais, plus tard, on vendra des trucs. Alerte des ventes. Voiture rare, ça, je m'en fiche. Voiture spéciale. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial à votre avis là? Non, c'est pourri, tu peux la garder. C'est juste qu'il a mis une belle peinture. Alors, garage, mes voitures, trésor, réglage, plaque d'immatriculation, klaxon. On va en changer quand même là. J'ai vite fait ce qu'on a. Ah, les effets sonores, je les ai pas. Ah ouais. Acheter des klaxons, je parie, c'est payant. Je suis sûr c'est payant ces trucs-là. C'est quoi ça? Voilà, on va mettre ça en attendant. Alors, on a des plaques, création de peinture. Bon bah, afficher tout. Tendance. Ok. Voiture téléchargeable. Donc je peux pas acheter de voiture en fait ou pas? C'est une question de curiosité. Non, je peux pas en fait, hein. Pour l'instant en tout cas, je peux rien acheter. Rechercher, si. Peut-être là. Confirmer. Et là on va voir maintenant toutes les trucs. Ah ouais, il la vend super cher sa caisse lui. Tu me dirais qu'il vaut 10 millions, donc du coup, il la vend quand même moitié prix, hein. La voiture de police, personne n'en veut, hein. Ça, c'est des malins, comment ils te font les trucs. Ça, c'est à combien ça? 500 000. Voilà. On en prendra plus tard, ne vous inquiétez pas des caisses. Oncle KFC ou quoi? Il a fait un plomb, lui. Hein. J'y crois pas. Bon, allez, je repars en course. Je vais m'assurer que la fête continue sur le festival. Toi, tu peux partir t'éclater. Oh la vache. C'est des ouf hein, quand même tout ce qu'ils nous mettent. Hein. Oh là là, elle est trop bien. Joue au loto. Là, oh, regarde, on va voir la Ferrari California. Tu parles combien? Allez, serre les fesses. Je crois que je me suis chié dessus là, avec ce qu'ils m'ont offert. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Ah, je suis dégoûté. Ils m'ont vraiment offert un truc tout pourri. Alors, sinon dans l'ensemble, ça donne ça la voiture. Pas mal, hein? Je vous montre un peu. On a franchement une belle voiture et à l'intérieur, ça donne ça. Restez à gauche. Voilà, je repars en mode normal. Parce que la vitesse est intéressante. Restez à droite. On va la tester vite fait en vitesse de pointe. Elle a déjà une meilleure accélération. Ah, s'il vous plaît, poussez-vous. Ah, bah tiens, non, c'est lui, c'est lui. Faites demi-tour dès que possible. Voilà, c'est une essence. Je vais le brûler là, de toute façon, avec ma voiture. Déportez-vous sur la gauche. Ah, tu disais que tu vas le brûler, c'est lui qui va plutôt te brûler. Non, ça va, il a eu peur. J'ai pas compris pourquoi ils ont toujours peur comme ça dans les recoins. Déjà qu'elle va vite, mais elle va pas si vite que ça, hein, la voiture. Hein. Elle va pas si vite que ça, hein, je trouve. Hein. 300, bon, ça va quand même, je vais pas me plaindre, mais. Ah là, ça nous a bien rapporté des points. Ouais. Mais tout à l'heure, on avait testé une qui allait à une vitesse, elle m'a fait effrayer, quoi. Je crois qu'elle est à 400-500. J'étais sûr que tu participais à ces courses de rue. J'ai reçu une autre invitation. Je ne te balancerai pas à une seule condition. Ça te dérange si je viens de voir brûler de la gomme?
Toute la carte va être complètement remplie dans pas longtemps. Oh. Toute la carte va être remplie. Est-ce que tu gagnes des trucs de fan ou pas? Non, tu gagnes juste des XP. Ah ouais, attends. Ah, c'est même marqué combien tu gagnes d'XP. Ah, c'est pas mal en fait. Attends, je suis où là exactement? Déjà, faut que je vois où est-ce que je suis. Je suis vers ce point-là. Bon, ça, c'est les trucs personnalisés. Tu sais quoi? Allez, on y va de l'autre côté. Faites demi-tour dès que possible. On va se rendre directement sur les lieux là-bas. Dans l'occasion de prendre une belle photo là. La photo, on l'a fait où? Là? Ouais, c'est là. Allez, vas-y, dis-nous qu'est-ce qu'il y a ici. Oh, c'est beau, c'est joli. Les 12 apostles, les 12 apôtres. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, je sais, il n'en reste que 8. On sait compter, mais on n'aime pas renommer les choses ici. Nickel. Donc là, je vais essayer de ramasser ce que je trouverai sur le chemin. Donc là, il y a un truc d'XP là, ce que je dois voir, ça dépend où il est. Hein. Il doit être vers la maison. Il doit la maison plutôt. À 100 mètres, tournez à droite. Ouais, il va être à l'intérieur, j'imagine, comme toujours. Tu parles qu'ils ont mis quelque part, attends. Je sais pas, c'est quoi, avec une moto ou quoi là-dedans? Un panneau de combien ça? J'ai même pas fait gaffe. Ah, si on gagne un 100 000, là je suis heureux. Il est trop lent le 100 000. Ah, dommage. Ça aurait bien pu nous doubler un petit peu la cagnotte pour acheter des nouvelles voitures. Je crois qu'il y a une course juste devant, donc je vais la faire rapidement, c'est là. Championnat. Ah, les nouvelles voitures. Rien de bon ne serait sorti des années 80, mais on va te prouver le contraire dans le championnat Horizon 1980s. C'est quoi cette poubelle? Ah, c'est chaud. Acheter une voiture. Bon bah, en garage, hein. Qu'est-ce qu'il nous propose ici? Ouais, je vais concourir avec ça, t'as raison. Regardons un peu avec la camionnette. C'est des tarés. Il y a quand même des bons choix. Bon, ça, là, je le ferai un peu plus tard, ce championnat, au pire. Je sais pas si je peux pas sortir. Ouais, il y a un radar. À 400 mètres, déportez-vous sur la... J'avais pas assez de vitesse. Attends, on va le faire rapidement. Restez à droite. Elle a pas beaucoup de puissance cette voiture, attends. Faites demi-tour dès que possible. Non, j'ai rien eu là d'intéressant là. Ah, ça s'est joué à quelques poils près. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Restons comme ça, on va pas s'embêter. Et je descendrai en bas. De toute façon, je pense qu'avec des grosses berlines, après, je vais bien m'amuser. Déportez-vous sur la droite. Restez à droite. Ça doit être encore avec cette fameuse caisse. La course de rue est en face. Au rond-point, prenez la première sortie. À 400 mètres, vous arriverez à destination. Ah, c'est là, je te jure, j'ai cru que c'était derrière. Participer. Dis-moi que je peux conserver cette voiture, s'il te plaît. Ça m'aurait bien fait plaisir. Donc les courses de nuit, par contre, elles sont bien, mais il faut vraiment être réveillé, hein, ce que je vois. Hein. Non, je crois pas que j'aurais... Ah, si, si, je peux garder ma Audi. Cool, ça m'arrange. Vas-y, parle avec la Audi. Ah ouais, ça zigzague d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, ça tourne.
Allez, tout le monde s'est cassé la gueule. Je suis pas le seul à avoir eu des difficultés aussi. Ah, regarde comment il s'est défoncé le premier là-haut. Oh, mais comment il me pousse. Eh, sérieux, il veut que je finisse dans le mur ou quoi? Oh là, eh, franchement, dès qu'il se décolle de toi, c'est super content. T'étais super heureux parce que sinon, t'es vite dans la merde. Là, la camionnette, la pauvre. Ah, je trouve que j'ai quand même une voiture assez rapide qui part où elle veut. C'est pas grave, je rebobine pas parce que là, je me dis, ça peut être facile à rattraper. Vu que la vitesse que j'ai, elle est vraiment très 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 puissante. En fait, ma connerie que j'ai fait, c'est que j'ai voulu aller trop vite. Ah, par contre, là, je sens tout de suite que la voiture n'est pas... Elle a pas les bonnes roues là. Encore un petit effort, freine. Franchement, je la kiffe comme la Mercedes. Bon, par contre, elle est un tout petit peu moins contrôlable que la Mercedes, hein, sincèrement. Elle était la Mercedes à côté. J'ai la possibilité d'être un petit peu plus dans la tenue de route. Oh, la connerie que je viens de faire là était monumentale. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est vite se rapprocher du podium là. Faut que je ralentisse complètement. Encore un petit effort. Voilà. C'est là que ça va devenir très serré. Tu vois, faut vraiment lâcher l'accélérateur complètement. Donc là, c'est qu'une vitesse de pointe. Ils sont derrière, ça va. Par contre, c'est vraiment pas évident de savoir c'est quoi les courses en fait avec cette voiture. Tellement que j'ai ouvert deux trucs en même temps. Je te jure, je sais même plus. J'ai ouvert tellement de championnats en même temps. Donc on est à 5, ça va. Ah, ok, donc là, on a réussi cette course. Combien ça rapporte, 7000, nickel, ça me convient. L'expérience, un petit peu. Regarde, il m'a donné un truc encore pourri. Regarde, pourri, 2000. Ça va. C'était cette Mercedes qu'il fallait gagner. Eh oui, je viens de la gagner. Cool. Oh là là, tous les trucs qu'on va avoir, je vous le dis pas. Hein. On va vraiment, vraiment se régaler, je pense. Derrière moi, où est-ce que je suis? Je suis où exactement là? Je comprends plus rien. Il y a trop de championnats un peu partout. Oui. Donc niveau 4. Où est-ce qu'on est nous en fait? Ah, on est là. Donc le radar derrière moi. Championnat actif. Faites demi-tour dès que possible. Donc je vais voir ce qu'on a en fait au niveau de la progression maintenant. Alors 2 points de prouesse. Non, ça demande un peu plus. Alors là, laisse tomber, ça demande beaucoup plus. Ça, c'est quoi ça? Là, j'aurais quoi directement? Un peu d'XP. Un peu d'XP aussi également. Donc là, ça demande 1. Ça va demander 2 directement. Ça, c'est juste des points. Ah, c'est du cash. Ok. Bon, bah, je vais activer plutôt, je dirais, celle-là. C'est 3 points. Merde. Bah, tu sais quoi, tant pis, hein. De toute façon, faudra tous les faire. Ah, ça c'est vraiment. Ok, ça c'est pour autre chose. Bon, bref, tu sais quoi. Je suis là pour me faire des XP. C'est encore 3 points. Oh non. Ouais, ce sera pour les défis collector, vu qu'on en a plein. Ça va être quoi, gagner supplémentaire avec le club? Eh ben, ça va promettre tout ça. Donc là, on n'est pas du tout loin. Donc, niveau 4, le festival. L'autre, il est au niveau 3. Et l'autre, il est au niveau 2, je pense, là-bas. Je regarde, ouais, niveau 2.
Donc ça va promettre, sincèrement. Donc je suis vraiment content, mais du coup j'ai déclenché trop de trucs. On va tous les faire. C'est pas là le problème. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite. Ok? Allez, gros bisous à tous.